Tant que ça ne va pas à l'encontre des valeurs qui sont les nôtres, les ensembles artistiques nationaux sont disponibles à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, où que ce soit. Si vous voulez, c'est des VDP, des VDP de la culture. Donc, nous sommes disponibles. Dans une explosion de rythme et de mouvement, l'art a pris la parole là où les mots ont échoué. Le Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel CENASA a organisé une tournée d'exception mobilisant l'Orchestre national et le Ballet national à travers la région du Centre-Ouest. Du 16 au 19 octobre 2024, quatre villes ont accueilli ce spectacle grandiose porté par un thème fort, dresser la résilience et coudre le tissu social. Après quatre journées dans le Centre-Ouest, c'est un bilan satisfaisant que nous tirons. Il y a des motifs de satisfaction parce que c'est pas que tout est parfait, mais nous avons un sentiment d'avoir accompli notre part. D'avoir accompli notre part parce que nous avons fait quatre grands spectacles, cinq, si on compte que c'est deux à Koudougou ici, d'affilée. Voilà, sans dormir pratiquement, parce que quand on finit pratiquement très tard. Le lendemain matin, on est parti pour l'autre ville. On installe dans la journée, on balance, on joue, on finit tard. Le lendemain, on est parti. C'est pour dire que les ensembles artistiques nationaux sont partis. Comme monsieur le ministre d'État chargé de la culture l'a souhaité, qu'on aille trouver les populations pour leur dire que le gouvernement est proche d'eux. Et le deuxième motif de satisfaction, c'est la mobilisation. À tous les quatre rendez-vous, Léo, Sapui, Réo, Koudougou, nous avons rencontré des populations qui sont sorties massivement et qui ont manifesté leur appartenance au Burkina Faso. Le parrain régional de cette tournée, qui partage les mêmes ambitions que le gouvernement, invite tous les Burkinabés à s'engager dans cette dynamique. Nous sommes en temps de guerre et dans ce contexte, il est dit que si l'on lave ton dos, il faut te rincer le visage. Le chef de l'État a pris un engagement et il est clair que le ministère en charge de la culture et son équipe partagent cette même vision. Tous les Burkinabés, dès qu'ils ont appris cela, se sont unis pour soutenir cette initiative. Vous avez pu constater la mobilisation à Léo, Sapui, Réo et ici à Koudougou. Toutes ces personnes sont présentes pour accompagner l'initiative du chef de l'État. L'Orchestre national et le Ballet national se sont engagés sans faille pour garantir le succès de l'événement. L'interprétation que nous avons travaillée, en tout cas, se sont données, les musiciens ont joué parfaitement. Comme ce soir, je me sentais déjà au studio parce que vraiment tout le monde a joué haut et fort. Et ça, c'est à féliciter. Et c'est une nouvelle équipe. Et je vois l'engouement qu'ils ont réussi dans la musique. Je pense que notre sortie a été réussie, car beaucoup de gens ne savent pas que nous avons un ballet national. Il y a des personnes ici qui ignorent que nous pouvons danser toutes les danses des différentes ethnies. Mais cette fois-ci, tout le monde est content et nous sommes également heureux de ne pas perdre nos coutumes. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement pour ses efforts en faveur de la protection de notre culture. Cette tournée, véritable ode à la créativité et à la solidarité, a su captiver les cœurs et les esprits. En insufflant une énergie nouvelle à chaque représentation, l'Orchestre national et le Ballet national ont rappelé à tous que l'art peut être un puissant outil de transformation sociale.